J'en ai 82, moins 3 mois. Et donc, ça a après été transmis à une équipe corse qui s'appelait Philippe Castelin et Jean-Thierry Grossa, qui étaient des gens absolument superbes et qui avaient fait la suite de Dox, et notamment une thèse monumentale de Castelin qui s'appelle Dox, mode d'emploi. Et Philippe, qui était un grand savant des écoles normales supérieures, de la génération de Bernard-Henri Lévy, qui était derrière lui, est devenu corailleur. Et puis, il a eu la mauvaise idée de mourir il y a 2 ou 3 ans. Et à ce moment-là, Jean-Thierry Grossa, son associé, et moi, fondateur, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que les revues sont faites pour vivre 3 ou 4 jours, ou quelques temps, comme Olga, comme On arrive, des jeunes revues d'aujourd'hui absolument sublimes, ou pour changer le monde en vivant tout le temps. Et à ce moment-là, François Massu est arrivé avec Xavier Dandois de Casabianca, de Corse, des éditions Léolienne, et m'ont dit, on va prendre le relais. Et donc, je suis... Ouais, wouhou ! Ouais, bonheur. Sortir la phrase de sa gangue? Comment sortir la phrase de sa coquille? Comment sortir la phrase de son écorce? Comment sortir la phrase de son étui? Comment sortir la phrase de sa chrysalide? Comment sortir la phrase de son cocon? Comment sortir la phrase de sa carapace? Comment sortir la phrase de sa conque? Comment sortir la phrase de sa peau? Comment sortir la phrase de son enveloppe? Comment sortir la phrase de son fourreau? Comment sortir la phrase de sa cuirasse? Comment sortir la phrase de sa guêpe? Comment sortir la phrase de sa housse? Comment sortir la phrase de son cuir? Comment sortir la phrase de sa couenne? Comment sortir la phrase de son moule? Comment sortir la phrase de son empreinte? Comment sortir la phrase de sa matrice? Comment sortir la phrase de sa forme? Comment sortir la phrase de son armure? Comment sortir la phrase de sa casque? Comment sortir la phrase de son palais? Comment sortir la phrase de son lit? Comment sortir la phrase de son corps? Comment sortir la phrase de son poitrine, de sa cage? Comment sortir la phrase de ma bouche? Comment sortir la phrase de ma langue? Comment sortir la phrase sur le bout de ma langue? La langue! Ah, 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 c'est là, c'est là. Ah, 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 tu vas dans la bouche. Tu me pousses dans mon palais. Mais là-bas, la langue qui... Ah, ah, c'est bon, ah, c'est bon, ah, c'est bon, ah, là, là. Ah, 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 là, 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 là. La langue revient dans ma bouche. La langue qui passe mes lèvres, la langue qui caresse mes lèvres, la salive de ma langue, la salive qui coule de ma langue, la salive qui ruisselle sur ma langue, la pâte de ma langue, la langue qui lèche mes dents, la langue qui caresse mes dents, la langue qui est dans ma bouche. La langue qui sort, qui sort, qui sort, qui sort de ma bouche. L'air qui vient de ma bouche, l'air qui vient de ma bouche, l'air aspiré qui caresse ma langue, l'air aspiré qui va sur ma langue, l'air aspiré qui va dans ma bouche, l'air qui va dans ma cage, l'air qui sort de ma cage, l'air aspiré qui bouffe ma bouche, l'air aspiré qui passe ma langue,
les mots de ma cage, les mots de ma bouche, les mots de ma langue, les mots de mon corps. Les mots de ma cage. On s'est bien amusé dans la poésie, puisqu'il y a eu plein de débats, de discussions. Et notamment, Charlotte mentionnait au début de la soirée une petite polémique sur le sous-titre de la revue Cockpit. Donc je vais vous lire un petit texte à ce sujet, en toute amitié avec Christophe Charlotte. Et ce texte est dédié à ma fille qui a eu 14 ans cette année. Je serai toujours une jeune fille de 14 ans. Je ne serai plus jamais une jeune fille de 14 ans. Je ne veux plus jamais être une jeune fille de 14 ans. Je serai toujours une jeune fille de 14 ans. Je ne serai plus jamais une jeune fille de 14 ans. Je porterai toujours en moi cette jeune fille de 14 ans. Je ne veux plus jamais être une jeune fille de 14 ans. Une jeune fille de 14 ans est-elle vraiment une jeune fille ? Quelle est la différence entre une jeune fille de 14 ans, une jeune fille de 16 ans, une jeune fille de 18 ans, une jeune fille de 20 ans, une jeune fille de 30 ans, une jeune fille de 70 ans? À partir de quand n'est-on plus une jeune fille? Nous sommes toutes des jeunes filles de 14 ans. Tout le monde déteste les jeunes filles de 14 ans. Jamais aucun poète n'aura le monopole de la jeune fille de 14 ans. Tous les poètes sont des jeunes filles de 14 ans. Toutes les poétesses sont des jeunes filles de 14 ans. Tous les poètes rêvent d'être des jeunes filles de 14 ans. Aucun poème ne capturera jamais la jeune fille de 14 ans. Aucun film, ni aucun poème, ni aucune peinture ne pourra dire la jeune fille de 14 ans. La jeune fille de 14 ans est ce qui échappe toujours et ne peut être défini. La jeune fille de 14 ans est ce que vous n'arrivez pas à saisir de l'autre et de vous-même. La jeune fille de 14 ans est une catégorie nommée teens ou pré-teens dans les films pornographiques. La jeune fille de 14 ans est le miroir en relief de vos peurs. La jeune fille de 14 ans est un corps aussi bien présent qu'en devenir, et ses mutations défont toutes vos projections. La jeune fille de 14 ans n'est pas poétique, et c'est comme ça qu'on l'aime. La jeune fille de 14 ans n'est jamais ce que tu crois. La jeune fille de 14 ans ne veut plus être une cible ni un champ de bataille. La jeune fille de 14 ans est en feu. La jeune fille de 14 ans ouvre un abîme en vous, car c'est celui qui la déchire par votre regard. La jeune fille de 14 ans ne sera ni une arme de guerre, ni un trophée. La jeune fille de 14 ans sait parler par elle-même. La jeune fille de 14 ans cherche encore son corps, et ce n'est pas toi qui le trouvera. La jeune fille de 14 ans vous éclate à la gueule tôt ou tard. La jeune fille de 14 ans est un corps invisible à elle-même, auquel elle cherche à donner forme, et n'attend pas ton regard pour cela. La jeune fille de 14 ans aime la poésie, elle en lit et peut aussi en écrire. La jeune fille de 14 ans peut aussi être un garçon. La jeune fille de 14 ans se transforme et prend forme. La jeune fille de 14 ans est l'impossibilité de votre désir à se reconnaître comme un produit.
La jeune fille de 14 ans est toujours un objet de discours, alors même qu'elle est sujet. La jeune fille de 14 ans est intenable. La jeune fille de 14 ans crée du désir, pas celui que tu crois. La jeune fille de 14 ans peut encore aimer Isidore Ducasse. La jeune fille de 14 ans veut être belle, car on lui a toujours demandé cela. La jeune fille de 14 ans vous emmerde. La jeune fille de 14 ans veut susciter du désir, car elle veut tellement être aimée. La jeune fille de 14 ans veut tellement être aimée, mais pas comme tu le crois. La jeune fille de 14 ans n'est pas une surface de projection. Elle est magma de vie jaillissante et brûlante. Ne la touchez pas comme bon vous semble, elle vous pètera à la gueule. La jeune fille de 14 ans est votre pire cauchemar. La jeune fille de 14 ans ne vous sauvera jamais, car c'est elle qui s'enfuit. La jeune fille de 14 ans n'est pas une solution. La jeune fille de 14 ans met sa mini-jupe ou son crop-top et fait ce qu'elle désire. La jeune fille de 14 ans trace une spirale de feu dans votre âme. La jeune fille de 14 ans est la grenade qui fait s'embraser mon poème. Ce texte-là, il est aussi dédié à quelqu'un avec qui j'ai toute une histoire, très sérieusement. Oh putain.
Parce que je dédie à Gérald Darmanin, qui a partagé les mêmes amphis que moi en 2005-2006 à Sciences Po Lille. Et Gérald, j'ai un peu une histoire avec lui parce que à cause de lui, j'ai eu un peu explosé les ovaires, mais sérieusement. J'étais opérée d'un kyste à l'ovaire qui a explosé à cause de lui. Donc, ce texte, voilà, je viens. Toi, Gérald. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Qu'avez-vous, madame ? Boire énormément d'eau de coco au fil de la journée, les résultats sont là. Un teint, zéro défaut. Il faut maintenant dire que lorsqu'on l'en va dans des manifestations violentes, on est complice du pire. Calmez-vous, ça. Utilisez un masque après votre shampoing et ne le rincez pas complètement pour que vos cheveux boivent le reste. Calmez-vous, ça va. Je traverse la rue et je vous en trouve du travail. Calmez-vous. Respirez profondément à l'aide de votre diaphragme et retenez votre souffle pendant un certain temps. Ça va bien. On met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas. Les gens restent pauvres. Calmez-vous, ça va bien. Se frictionner les dents avec de la pulpe de fraise pour les faire blanchir. Ça va bien. Nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. C'est pas comme ça qu'on fait face ça aux bien, crises c'est et qu'on avance. Madame. Calmez-vous. Inspirez par le nez pendant... Faites descendre l'air dans votre abdomen. Pincez les lèvres et expirez pendant 4 secondes. Ça va bien, c'est passé. Je la sens un peu branlante, un peu molle sur ces questions. Calmez-vous, madame. De temps en temps, enduisez-vous le visage d'huile de pépins de raisin comme si c'était un masque. Calmez-vous, madame, ça va. Vous m'avez insulté. 15 jours, personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Ça va bien se passer. Fermez votre narine droite avec votre pouce et inspirez lentement et profondément par votre narine gauche. Calmez-vous. Pas me faire peur avec votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Tout doux. Tout doux. Calmez-vous, madame. Mangez du saumon tous les jours. Ça va bien. Nous assistons à une crise de l'autorité. Il faut stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société et réaffirmer l'autorité de l'État. Ne rien laisser passer. Ça va. Ça va bien. Fermez votre narine gauche avec votre annulaire. Et ouvrez votre narine droite. Expirez par la narine droite. Ça va bien. Ça va bien se passer. Ça va passer. Ça va passer. Ça va. Ça va bien. Je n'ai pas menti, c'est la réalité qui m'a donné tort. C'est le nettoyage en douceur utilisé chaque soir. Une serviette d'eau chaude, imbibée de lavande, calmez-vous. Vous démaquillez. Mais calmez-vous, madame. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. On va continuer de le faire, jusqu'au bout, c'est ça la stratégie, jusqu'au bout, les emmerder. Ça va bien. Utilisez du marc de café mélangé à votre gel douche pour faire un gommage pour le corps 100% naturel. Ça va passer. Quand la maison brûle, on ne compte pas les litres d'eau pour éteindre l'incendie. Ça va passer. Crème. Tout doux. De la vaseline, un peu de touche sur le contour de l'œil pour prévenir des rides, c'est gagnant. Badigeonnez-vous ensuite les cils pour une courbure parfaite. Ça va bien passer.
Tu es jeune français. Tu as envie de devenir milliardaire. Oh, ça va bien. Fermez partiellement les narines avec les annulaires. Inspirez par le nez en faisant un bourdonnement. Essayez de maintenir le bourdonnement aussi longtemps que possible. Il faut de la cohérence, de la clarté, un cap, savoir ensemble où nous allons et comment y aller. Ça va bien. Un blanc d'œuf battu mélangé avec du jus de citron, plus une demi-cuillère à café de lait, une demi-cuillère à café de carbonate de soude et adieu les gouttes. Ça va, ça va, ça va. Restons unis. Restons du côté de la vie. C'est là ce que nous devons à nous-mêmes. Alors l'année 2024 sera l'année de tous les possibles. Elle va bien se passer. Qui aurait pu prédire la crise climatique? Donc en fait, d'une certaine manière, je me la dédie à moi. En fait, je fais ça parce que il y a en ce moment prolifération de l'autofiction dans le roman. Et j'ai eu, je sais pas, moi je suis en train de changer d'avis là-dessus, genre de film ou un truc. Au début, vraiment, je croyais que c'était de la branlette. Vraiment, je me suis dit, c'est rien du tout. C'est plus complexe que ça. Il y a peut-être un truc à chercher, je sais pas. Il y a un truc, moi, par exemple, j'ai envie de vous parler d'un vécu que j'ai eu assez magnifique. C'est quand j'ai été voyager en Antarctique, j'ai eu la chance d'embarquer sur le commandant Charcot, qui est donc un navire scientifique, qui m'a déposé à la base de Dumont-d'Urville, donc l'Antarctique, c'est le pôle sud. Et comme vous savez, Dumont-d'Urville est la capitale de l'Antarctique. Et surtout, j'ai eu la chance de voir les ours polaires, donc les ours blancs de l'Antarctique, qui sont infiniment plus impressionnants que ceux du Nord. Peut-être vous avez vu ceux qu'il y a au Groenland ou au Canada. Ceux de l'Antarctique sont vraiment déjà, il y a une masse corporelle plus importante, et ils sont hyper speed. Vraiment. Je me suis trouvé à 30 mètres d'un de ces bestiaux. Vraiment, j'étais dans un 4x4 tout capitonné. Et franchement, je me suis dit, quand je l'ai vu vraiment, mais un petit peu se remuer, j'ai eu quand même très très peur. Et j'ai pas eu envie d'ouvrir la portière. À ce propos, j'ai un petit texte à vous lire sur qui se passe en Antarctique. Alors, ça s'appelle Proie. Durée de lecture 4 minutes 33. Ce bourg s'est d'abord appelé Scott Bays à l'époque de la prospection polaire. Il porte actuellement le curieux nom de Bear Enigma, en souvenir de l'histoire fondatrice de son mythe. 5 veilleurs sont partis en mission de reconnaissance autour de la base, dans le but de relever les balises sur la banquise dérivante. Leur équipement se limitait à 3 scooters polaires, quelques rares outils logistiques, du matériel de campement d'urgence, ainsi que de la nourriture pour une semaine environ. Excusez-moi, je bouge beaucoup, ça fait pourtant longtemps que j'ai arrêté. La première balise à récupérer se trouvait à 17 km de Scott Bays. Les scooters permettaient de s'y rendre en 2 heures, vu la difficulté à se frayer un chemin. Ils se mirent rapidement en route vers la balise, sans trop d'appréhension. Le traceur calcula 1h30 de trajet, ils en subirent 3. Exceptionnellement accidentée, la banquise paraissait pourtant aussi calme qu'une steppe. Ils trouvèrent l'objet complètement déchiqueté, probablement par un ours blanc, en quête d'une proie inédite. Ils pouvaient parfaitement prendre la décision de renoncer à poursuivre un ramassage devenu difficile, mais le quatrième point se trouvait presque sur la route du retour. La base à 25 km, la balise à 32 km, plus 7 km pour rallier la base. Un camp fut donc dressé, sans hésitation, et un sommeil réparateur permit d'évacuer l'impatience du groupe pour le ressouder. Le réveil fut redoutable. Les conditions climatiques changeaient, le vent balayait les enclos glacés, les secours tarderaient à les dépanner. Après 2 nuits de vent hurlant, ils comprirent que les conditions stagneraient, qu'un ralliement de la base à pied serait irréalisable, que rationnement et privation seraient la condition d'un maintien. Les missions balises étaient fréquentes, mais les équipes variables et les ennuis rares. Ces 5 désemparés allaient apprendre à se connaître dans des circonstances aussi effrayantes qu'inattendues.
car c'est un ours blanc qui se présenta en vue du campement. Seul gibier potentiel offert aux voracités de l'attente. Si le défaut de réserve de combustible fut le premier sujet de discorde, le second fut celui du défaut d'armes. Comment une mission en milieu polaire pouvait s'être déplacée sans fusil, sans lame, sans massue? Les accusations et remarques blessantes s'atténuèrent à mesure que le quadrupède s'approchait du campement. Un mélange de panique et de colère gagnait les compagnons qui saisirent promptement des objets lourds. Cris, entrechoquements, nombre, danse démente firent fuir lentement le prédateur. L'enseignement d'une première rencontre avec l'adversité fournit l'emblème du groupe. L'union ulcérée fait la force. Or, l'unique proie des nouveaux chasseurs venait de s'enfuir. Les restes rationnés nourrirent une conversation plus sereine au sujet de l'ours. Comment attirer, parce que ça deviendra une proie maintenant l'ours, comment attirer donc piéger un ours polaire d'une force colossale, découragé par la violente réception qui lui avait été réservée. Ardiles, l'un des cinq veilleurs, affirma qu'un veilleur seul pouvait à nouveau intéresser le rôdeur, servant ainsi d'appât, menant à un piège. D'accord, mais qui serait l'appât? Quel serait le piège et quels seraient les outils? On regroupa les objets, matériaux et ressources disponibles, tentes, fils, étuis, pelles à neige. On désigna l'étage de chacun, on creusa le piège. Restait à parfaire le rôle de l'appât, à mesurer son courage, comme son appétit, à faire d'une cible un plat. Le principe était de se cacher près d'un couloir menant une trappe, devant lequel s'afficherait un veilleur seul qui exciterait les glandes salivaires du prédateur. Ardiles se porta spontanément volontaire puisque c'était l'inventeur du principe de proie isolée. La bataille allait être dure et les secours pourraient arriver dans l'intervalle. L'espoir portait Ardiles dans le dégoût de sa propre frayeur. Les quatre veilleurs répétaient leurs gestes guerriers en coulisses. La pièce pouvait commencer. L'ours se présenta effectivement à quelques dizaines de mètres d'Ardiles en fouillant sa glace du museau. L'apercevant, il s'en approcha lentement mais férocement, le dévisagea, le renifla presque, puis prit brusquement la fuite. Ceux qui me connaissent dans cette salle savent que depuis 2 ans, je fais écrire tous mes textes par une intelligence artificielle. Voilà. Alors, je relis. Avant de signer, je relis quand même. Hein. Et parfois, je fais des retouches, mais c'est rare, parce que c'est vraiment, il y a maintenant des intelligences artificielles qui font un très très bon boulot. Hein. Un très très bon boulot. Par exemple, celui-là, j'ai fait aucune retouche parce que je trouve que quelque part, il montre bien la complexité du problème de l'ours qui, alors évidemment, a envie de choper ce Ardiles. Et en même temps, il se dit, mais où sont passés les autres, ceux qui m'ont fait fuir? Donc, il préfère se barrer. Très fort. Ouais. Ouais. Je vous remercie. Au milieu de la
circulation, les corps se soulèvent comme des jurons, comme des jurons. Asti, calisse les corps de tabarnak, les corps calvaires de calisse les corps, les hosties, les corps, les tabarnak, les corps, que la peau, que la peau, que la peau. Pour ce, pour ce, pour ce, pour ce, pour se défendre, que la peau, pour se défendre, que la peau a livré fragile vers le ventre, vif de la révolte, vers le ventre, vif de la révolte, chaque fois les corps, chaque fois les corps, chaque fois. Quand chaque fois les corps, quand les corps, quand les corps, nu de plus en plus, nu de plus en plus, de plus en plus, nu de plus en plus, nu de plus en plus, nu. Chaque fois les corps, nu de plus en plus, nu. Quand on a dessiné la ville, on a remplacé les corps par, on a remplacé les corps par du béton, Quand on a dessiné la ville, on a fermé les yeux sur la joie, sur la colère, sur la joie, sur la colère. Quand on a dessiné la ville, on a coupé des têtes comme des pissenlits. Quand on a dessiné la ville, on a couvert le sol de coups de pied et d'oiseaux morts tombés des arbres morts. À qui la rue? À qui la rue, au soleil, à qui, les corps, au soleil, ces pancartes de peau qui se tiennent, au soleil, ces phrases mêlées au poil, au soleil, ces lettres ouvertes qui luisent au soleil, ces colères portées bien au soleil. Des corps nus forment des mots au soleil, des noms, les corps nus forment au soleil, des mots, des noms, la seconde guerre du gueule, la guerre civile. Pas
Demain, il y aura de nouvelles rages. Et pour ces nouvelles rages, de nouvelles tactiques. Pour envoyer chier ce qui nous fait chier. Car il y a quelque chose que ça dérange. Et ce quelque chose se doit d'être dérangé. Car nous n'avons non pas fini, non de non faire, non l'amour, non pas, non fini, non avec, non la, non révolution, non la, non vie, non qui, non change, non la vie, non oui, la, oui, tendre, oui, résistance, oui, simplement, oui, assumer, oui, chaque, oui, corps, oui, compose, oui, ça, oui, preuve, oui, beauté, oui, là, oui, liberté, oui, montre, oui, les, dans, oui, et, oui, les, oui, marque, oui, de, oui, dans, oui. Peu importe l'habit, l'usure, le corps est un passage de glaise, une cabane de bord, demeure debout comme un cheval, un ciel qui ne rouille pas, le corps complet, contraire de la honte dans la générosité des chairs, le corps vrai, juste le corps, un corps, deux corps, trois corps, ce qui répète, corps, rappelle, corps, ce qui répète, corps, rappelle, corps, un corps, deux, trois, corps, huit, corps, neuf, corps, dix, corps, milliards, corps de corps, naissent, corps, ce qui les nomme, les continue, qui cherche à dire corps contre les faces, corps la roche, corps contre les faces, corps la roche, corps il y a ce corps et tous les autres corps à écrire avec corps ce que je, corps ce que tu, corps ce nous, corps le livre, corps n'aura corps jamais, corps fini, corps de corps écrire, corps le corps n'accord pas corps de point final, mais deux jambes de naissance. Deux bras pour aller vers ce qui résiste, fait sens sans fin. Sur chaque corps, corps trace sa soif dans la chair déjà, déjà ferme, ferme le poing une phrase une seule et même rougeur, qui part, qui parle, du cœur, tout corps à peine. 2 mètres carrés d'épiderme, un sexe, dehors et dedans, à la fois, en creux, un souvenir de naissance, et au centre, l'origine du monde. Tu tapes, tu dégages.
je dégage. Tu décolles, je dégage. Vous êtes prêts parce que c'est parti pour 8 minutes en collaboration avec la merveilleuse Samantha Barbara. Parole, musique, parole, musique. Ranger les matos, tu vas prendre ma bastos.
Je baiserai pas ta mère, je ne ferai pas niquer par ton mère. Je viens d'avoir un rêve. Dans le gitan, il y a du plomb qui traîne dans l'air. Je vas-y, balance. T'as toujours senti la mort. Je baise avec mes morts. Ta famille a salué éternellement. Thank you.
Bonsoir. Bonsoir. Avec, 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 la est forte, la est forte. Depuis, depuis, c'est Constance, c'est Constance. Notre encombre Europe. Ferons-nous seuls pro. Ici êtes-vous fait, au-deux le européen, l'année connue. Mac, 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 des élections. Des élections. Vous promis, eurodéputé, la présidentielle, jeu de sûr, décision, décision. Favorise, favorise. Continuons-nous, continuons-nous. Tous vous, tous vous. Face, face. Retour, retour. La épidémie, épidémie. Mi, 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 mi. Mieux, mieux. Et nous, pour progresser, transition, transition. Qui production, qui production. 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 Production, production, tenue, tenue, promesse, promesse, neuf, neuf, prochain, prochain, tous, tous, français, français, le juin pour le français, juin pour français. Ohé, compatriotes, des Polynésies, et Ervo, européen, un, élection, élection. Sans doute, sans doute, plus de alors, plus de alors. La frappe n'a que cause. S'accélère, que révolution, bouleverse, bouleverse. Quotidien de grâce, Europe. Oh nous, dès nous, la bilan, les qui, vous l'ambition, forge, projet, notre réindustrialisé. Les qui. Vous, l'ambition forte, projet, notre réindustrialisé, économie avec valeur, fondée, justice fiscale, des lala, face, qui l'Europe, une, un nous, dans, sans nos que, conserve, en pour quotidien. Mobilisez-vous. Il n'y a personne qui se mobilise alors. Merci.